Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un 24 heures dans ma chambre. Donc c'est parti! Donc vous avez été vraiment 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 beaucoup à me demander ce 24 heures dans la chambre, donc le voici. Donc il est 13h48 et jusqu'à demain à 16h48. À 13h48. Oui, 13h48. D'où ben. Ça va, t'es mieux dans ta chambre, ça devrait pas être très compliqué. Ouais. Bon, on va s'occuper. Et puis on se retrouve après. Donc là, maman va aller se reposer. Et moi, ben voilà mon nouveau décor de vidéo. Hein. Ben, pour l'instant, je vais faire un puzzle, donc je vais aller le chercher. Voici le puzzle. Donc il y a vraiment beaucoup de pièces, on a 1000 pièces. Voilà. Il y a vraiment 1000 pièces. Donc bah, c'est parti, on va commencer. Là, j'en ai un petit peu marre. Et je sais pas encore quoi faire. Je pense que je vais un peu vous taper ou faire une sieste. Mais je sais pas quoi faire. Donc pour commencer, on a celui-là dans une boîte comme ça. Je pense qu'on va aller sur mon bureau pour que je puisse bien vous montrer. Il colle un petit peu par contre. Du coup, c'est pas la meilleure idée que j'ai. Après, bien sûr, je vais peut-être regarder un film. Maintenant, je vais choisir un DVD. Donc, j'ai mis Arthur et les Minimoys. Donc, on attend que le DVD se mette. Voilà. Parce que j'ai même pas encore commencé le film. Et bien sûr, je demande à maman. Ceci n'est pas la Matrix, c'est le Connecticut. C'est là où je vivais avant de disparaître mystérieusement. Mais ceci est une autre histoire que mon petit-fils sera bien mieux que moi vous raconter. Vous verrez, c'est un charmant petit garçon qui retombe au monde. Alors, désolé, vu que ça s'est éteint et je sais pas trop quoi faire, donc j'ai pas. Peut-être que je vous reprendrai. Parce que là, y a maman n'est pas là, elle est en bas. Pour me faire une sieste, du coup, ben, voilà. Je vous reprendrai. Ben là, je vais un peu filmer et tout. Et je regarde toujours Arthur et les mini-boys.
Voilà. Donc, je vais un peu filmer et tout. Mais pas beaucoup. Mais après, je pense que je vais faire une petite sieste. Que je vous l'ai dit deux fois. C'est quoi ce bruit que tu m'as? Ouais, ça fait quand même toute la journée. Ah, la carte, elle est complètement santé. Il est 16h03. Luna vient de goûter avec son petit frère. Coucou. Tu viens squatter avec ta sœur? Coucou. L'aime bien Maëlle. T'aimes bien qu'on te filme? Non. Non? T'es sûre? Non. Ah, tu regardes le film avec ta sœur? Bon, tu t'ennuies pas trop? Un peu. Un peu, bah ça va, t'as la télé. Non. T'as la télé, t'as des jeux de société, t'as la tablette. Non. Oh bah Luna vient de casser une latte. Elle était déjà cassée tout à l'heure. Oh, t'as quand même. La télé. Bah bon, t'as pas de jeu sur ta console. Mais t'as au moins avant, la télé. Avant j'avais un jeu. Oui, avant t'avais un jeu, mais tu jouais jamais. Si je jouais pas tout le temps, mais. Oh, t'es beau! C'est qui a fait ça? C'est qui? C'est Naïm? Ça y est, il boude. Il boude. Dès qu'il ne veut pas qu'on lui pique quelque chose, il ne veut pas lui piquer. Tu vas être coincé. Ils sont fous. Ils s'ennuient pas quand ils sont tous les trois. Bon bah bon. Donc bon bah bon, on va aller recharger la caméra. On se retrouve après. Bon bah je crois que Luna elle a fait une petite sieste. Luna, tu vas la réveiller mon cœur. Vas-y, va la réveiller. Vas-y, va lui faire un gros bisou d'amour. Dis Luna, réveille-toi. Vas-y, tu la réveilles? Vas-y mon amour, va lui faire un bisou. Tu lui fais un petit bisou? T'es un curieux, hein? T'es un curieux. Ah, elle fait semblant. Ça va? Oui. T'as fait une petite sieste là? C'est bien pour moi, tu seras moins fatiguée. Oh, câlin d'amour, il est gentil. T'es gentil, mon amour? Oui. Oui, t'es gentil? Oui. C'est bien. Parce que j'avais un peu mal au top, mais là j'ai encore un peu mal. D'accord. Bah, repose-toi. Moi, je vais aller en bas avec tes petits frères. On va aller ranger un peu le Blur Bazar. Puis, vu qu'il est déjà pas loin de 18h, vers 18h30, on va manger. Pas trop tard. Parce que moi, vu que je suis encore malade, j'aimerais bien aller me reposer deux pots d'heure ce soir. Et oui. Tu peux regarder un tout petit film. Oui, tu peux regarder un petit film, il n'y a pas de souci. Moi, il va falloir que je fasse du montage. Et oui. Montage vidéo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va, t'es bien dans ta chambre? Oui. Oui. Coucou. Les petits coquins. Bon. Luna va quand même ranger un petit peu le bazar qu'elle a mis. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours mieux quand c'est un peu rangé, non? C'est plus joli. Oui. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon. Oui. Luna, on va lui rapporter son assiette. Il y a toujours des squatteurs avec la sœur? Hein? Non, maman elle te filme déjà. Et lui veut se filmer tout seul. Et je regarde.
à manger de banane. Voilà, tiens, je t'ai ramené à manger, hein. C'est soir, c'est vite fait parce que je suis malade. Elle mange. Mmh, miam miam. Tu vas aller manger en bas. Toi aussi, tu vas aller manger ta pizza. Et donc voilà, j'ai fini de manger. Maman a récupéré mon assiette. Et aussi, j'avais oublié de dire que maman me laisse le droit, par contre, d'aller aux toilettes. Et ça ne compte pas parce qu'il faut vraiment aller aux toilettes dès qu'on a envie. C'est très important. Et là, je regarde toujours Amandine Malabule. Et puis, je pense que je vais m'endormir devant parce que j'ai mal aux yeux et à la tête. Plus trop à la tête, mais surtout aux yeux. Bon, je te laisse, je te dis à demain. À demain. Et puis, parce que là, je vais tout de suite dormir. D'accord. Bah, si t'es fatiguée, oui, c'est le mieux à faire. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, bisous. Bisous. À demain. À demain. Et donc voilà, donc on a bien fait la grasse matinée. Et du coup là je vais pouvoir déjeuner. Voilà. Il est quand même 10h30 passé. Hein. Oui. Ça fait du bien de dormir longtemps. J'ai même plus mal à la tête et aux yeux. Ah bah tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait du repos. Bon vas-y, bah vas-y, tu peux aller déjeuner. Hein. Je t'ai ramené un pain au chocolat. Ouais. Allez, vas-y. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un 24 heures dans mon lit. Ce serait super sympa. Bon appétit. Donc voilà, j'ai terminé de déjeuner et je regarde toujours un bout de ma labule. Donc j'en avais un peu marre de regarder la télé, du coup je l'ai éteinte. Et je vais lire ce livre là. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Vous voyez, en fait elle me ressemble, la petite fille. Parce qu'en fait c'est un livre à faire. Donc on choisit entre 4 versions. Et puis après... Les 4 versions en fait c'est 4 histoires différentes. Oui. Moi j'ai pris la planète gélatine parce que je me suis dit que ça allait être marrant. Et c'est super marrant. Donc en fait, elle adore l'astronaute et tout. Et en fait, ils disent pas le vrai nom de la fille, ils disent mon nom et en plus elle me ressemble. Voilà, en fait vous faites le personnage par rapport au visage de votre enfant. Et à l'intérieur vous pouvez écrire son prénom. Donc voilà en fait l'histoire dedans c'est Luna. Vous voyez, c'est même écrit sur la grande banderole. D'ailleurs, j'en ai parlé sur un article dans mon blog, donc s'il y en a qui veulent aller voir, c'est mes3canailles.com. Par contre, t'as les balles rangées, ça chauffe. comme celle de Luna, hein. Bon, elle est rangée. Donc, je vais lire. Dans un lointain futur, vivait une petite fille qui s'appelait Luna. Vous voyez, en fait, moi aussi, je suis curieuse, je veux apprendre des nouvelles choses et tout. Du coup, c'est tout moi dans cette histoire. C'est vrai, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ces livres. D'ailleurs, si ces livres vous intéressent, on vous les a mis en barre d'infos. On vous a mis un lien et vous avez le droit à 10% sur votre commande. Et tu fais quoi, Luna? Une vidéo sur la tablette. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien faire ça. Voilà pourquoi elle veut faire des vidéos sur YouTube, parce qu'elle a commencé à faire des vidéos comme ça, avec une tablette. Mais ça reste sur la tablette. Voilà. Ça, c'est des vidéos que personne ne verra jamais. Voilà. Je présente là mes deux scènes préférées. Comme d'habitude, Luna fait toujours des bêtises. Bon, il est l'heure là. Ah bon? Ça y est, t'as fini. Il est 13h49. Pourquoi je voulais abandonner il y a 2 minutes. On a plein de choses à faire cet après-midi et là on va partir faire 2-3 petites courses. Ouais. Donc tu vas t'habiller puis on va partir. Ouais. Ça va, pas trop dur le challenge? Non. Dans ta chambre ça va, c'est sympa. Ouais, parce que...
Moi j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 2 minutes. Et puis on va aller manger parce qu'on n'a pas encore mangé du coup. Oui. Vu qu'on s'est levé tard ce matin et qu'on a déjeuné tard. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous pour de prochaines aventures.